On veut du cash. Oui, on veut du cash. Comment investir pour gagner de l'argent? Donc, avant que on voit tout ça en détail dans cette vidéo, cliquez sur le bouton s'abonner pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs abonnés à la chaîne YouTube. Alors, je l'ai dit pour faire sourire au démarrage de cette vidéo, on veut du cash. Donc, la réponse est oui. Hein. Si vous avez un business, c'est le nerf de la guerre, c'est l'oxygène de votre activité. Et comme j'aime bien l'évoquer de temps en temps dans mes vidéos, étape numéro 1, création de valeur, mise en place de vente automatique de vos produits et services. Donc, quand vous avez ce cash, quand vous avez cette satisfaction clientèle. Ensuite, il y a la deuxième étape qu'on appelle l'éducation financière, donc malheureusement néglige énormément d'entrepreneurs. Et ce qu'il faut toujours avoir en tête, c'est le cash flow que vous gagnez grâce à votre business. Un bravo et félicitations une nouvelle fois. On oublie souvent de se féliciter par rapport au succès de son business. Donc, si vous avez déjà une entreprise qui est florissante, je voulais vraiment vous honorer. Soyez fiers de vous et bravo une nouvelle fois. Et maintenant, si vous ne le faites pas, donc prenez cet argent et investissez-le parce que on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et surtout, c'est quand même idiot de faire du cash et ne pas avoir ce qu'on appelle les effets de levier ou l'effet cumulé ou encore argent, cash machine qui tourne en notre faveur grâce à ces différents investissements. Donc moi, je vais vous donner mes exemples personnels. Je vais vous donner aussi ce que je suis en train de réaliser, chose que j'ai négligée. Donc, étape numéro 1, c'est l'immobilier. Alors personnellement, je vais investir prochainement dans mon premier bien immobilier. Pour la première fois, ça faisait des années que je l'évoquais. Donc, j'ai procrastiné. Je ne suis pas du tout un expert du sujet. Donc, je ne vais pas donner des conseils sur ce sujet. Mais évidemment, si vous êtes déjà de l'immobilier, vous avez compris, c'est vraiment un levier extrêmement important vis-à-vis de l'éducation financière et surtout avoir ce cercle d'enrichissement. Et ce qu'on peut dire vraiment de l'immobilier, c'est de se construire un patrimoine. Donc, si vous êtes comme moi, vous avez tout en ligne, c'est bien aussi d'avoir un petit peu de l'économie réelle. Donc, vraiment avoir quelque chose en dur qui nous détient et surtout, permet aussi d'avoir son patrimoine qui se construit au fil du temps. Donc, maintenant, je vais parler de choses que j'ai réalisées personnellement et que je maîtrise beaucoup plus. Donc, le deuxième levier, c'est les paris sportifs. Donc, personnellement, j'ai différentes stratégies, 4 stratégies, faire mes propres pronostics, suivi tipster, donc copier d'autres pronostiqueurs professionnels, réaliser donc des trades via la plateforme Betfair. Donc, je pense que c'est peut-être un peu abstrait dans votre esprit puisque c'est du jargon spécifique des paris sportifs. Et la quatrième stratégie que je vous invite à mettre en place, c'est ce qu'on appelle les paris long terme. Donc, pourquoi? C'est parce que vous allez systématiquement avoir donc un ROI largement supérieur à un livret A. Donc, au moins 30 fois, 40 fois, 50 fois. Donc, de manière générale, on peut obtenir 25, 30, 35, 40% de retour sur investissement annuel grâce au pari long terme. Donc, si vous ne le faites pas, mettez-le en place. Si vous ne connaissez pas l'actualité sportive, j'ai un service sur le sujet. Il vous suffit juste bêtement de recopier les différents pronostics. Donc, pari 1, pari 2, pari 3, pari 4 et ainsi de suite. Et comme ça, à la fin de la saison, on encaisse l'argent. Donc ça, n'hésitez pas à le mettre en place, en tout cas, avoir cette éducation financière. Autre pilier que je vous invite à vous intéresser pour là aussi donc avoir un retour sur investissement plus qu'honorable et vraiment sympa, c'est le Bitcoin et les crypto-monnaies. Donc si aujourd'hui, vous n'en avez toujours pas investi, c'est investissez sur ce type de crypto-monnaie. Donc Ethereum, Litecoin, Dash, Augur, Monero. Pour quelle raison? C'est que ça va vous permettre d'avoir un retour sur investissement de plus de 15%, 20% annuel. Donc, suivant les crypto-monnaies, vous avez même des fois des retours sur investissement explosifs, magiques, incroyables. Mais de manière générale, si vous voulez pas vous prendre la tête, vous avez les deux options. Première option, tous les mois, vous mettez la même somme d'argent sur une crypto-monnaie. Donc, typiquement, vous pouvez dire le 20 de chaque mois, je mets X argent sur le Bitcoin, X argent sur le Litecoin, X argent sur l'Ethereum. Ou deuxième stratégie, c'est mettre une même somme d'argent sur 10 monnaies à la fois. Donc, 1000 euros Bitcoin, 1000 euros Augur, 1000 euros Monero. Comme ça, même si on a une qui descend, vous en avez d'autres qui montent. Donc, du coup, vous avez pareil, un équilibre du risque. Et au final, vous avez un retour sur investissement positif qui vous permet de placer votre argent largement à un quelconque autre investissement, donc tous les investissements classiques des banques. Vous avez bien compris que pour s'enrichir, ce n'est pas avec les placements des banques que vous allez vous enrichir. Le seul
enrichissement via une banque, c'est via un emprunt pour investir dans l'immobilier, par exemple. Mais ensuite, vis-à-vis des rendements nets, ce n'est pas avec les banques, ce n'est pas avec une assurance vie, un fonds de placement, un livret A, un plan d'épargne action, toutes ces choses-là. Ça, c'est de la merde, c'est de la flûte. Donc, du coup, ayez toujours ça à l'esprit. Autre levier, donc le quatrième que je voulais revenir dans cette vidéo, c'est donc moi, j'investis dans des business angels. Donc, je suis membre d'Angel Business Club depuis avril, c'est avril ou mai 2015, je ne sais plus le mois exact. Et ça me permet là aussi d'avoir, donc c'est un retour sur investissement de 20% annuel. Donc, du coup, certaines entreprises rentrent dans la bourse. Donc, typiquement, tout ce qui est CAC 40, tout ce qui est la bourse de Francfort, la bourse de Londres. Donc, toutes ces différentes bourses. Et du coup, vous avez donc à chaque fois là, des dividendes et par la même occasion, voilà, des actions d'une entreprise précise. Et elles sont sélectionnées sur le volet. Certes, il y a certaines sociétés qui se cassent la gueule. Hein, c'est un peu comme tout investissement et d'autres qui ont des rendements explosifs. Et du coup, en moyenne, j'arrive à générer à peu près un peu plus de 20% de rentabilité nette, donc typiquement sans rien faire. Donc, c'est plutôt appréciable. Voilà, j'ai juste quelques ordres à placer de temps en temps, mais voilà, c'est très, très pratique par rapport à tout ça. Donc, ça, c'est juste quelques leviers de tous les leviers que vous pouvez avoir à l'esprit. Souvenez-vous, moi, j'aime bien me mettre assez régulièrement en fait le tableau des intérêts cumulés. Pour quelle raison? C'est que les intérêts cumulés, souvent on entend les arnaques des intérêts cumulés, c'est que évidemment personne n'a envie d'être riche au cimetière. Et la seule chose qu'il faut avoir en tête par rapport à ça, c'est que juste au lieu de flamber ou alors augmenter un petit peu son pouvoir d'achat, bah, 5 ou 10% de ce que vous gagnez, vous le mettez dans ce type d'investissement et du coup, bah, c'est là que vous allez avoir l'effet cumulé. Et c'est assez rapidement. Quand on investit à 10, 15 ou 20% annuel, bah, à la fin de sa vie, on a voilà, 3 millions, 5 millions, 10 millions, 30 millions. Et du coup, on se dit « Wouh ! J'ai un patrimoine de king juste avec des petits investissements de base. » C'est juste les différents effets cumulés. Donc, soit augmenter votre valeur dans la société ou inversement, diminuer un petit peu votre train de vie parce que généralement, on a tendance à flamber un petit peu l'argent. Et ça, ça va faire une grosse, grosse différence par rapport à ça. Et là, du coup, il n'y a plus d'arnaque d'intérêt cumulé parce que bah, vous avez exactement le même train de vie. C'est juste vous gaspillez un petit peu moins ou alors bah, vous augmentez un petit peu plus votre valeur personnelle dans la société pour avoir un taux horaire beaucoup plus important. Ou alors, vous pouvez peut-être faire quelques heures sup ou des choses comme ça. Mais vraiment, à chaque fois, voilà, avoir cette notion, comment je peux apporter plus aux autres? Comment je peux créer plus de valeur? Et ça, ça va faire une grosse différence sur le long terme. Donc, bon investissement à vous. À retenir dans la vidéo, number one, création de valeur, création de valeur, création de valeur. Donc, ça, c'est le rôle de l'entrepreneur donc pour créer de l'argent et satisfaire ses clients. Et deuxième étape négligée par les entrepreneurs, donc c'est l'éducation financière. Là aussi, ça prend du temps, mais voilà, c'est ce qui va vous permettre d'avoir un patrimoine en or et être millionnaire, multimillionnaire, bref, tout ce que vous voulez. Donc, grâce à tous ces principes tellement fondamentaux, mais tellement ignorés par la même occasion. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc, si vous l'avez apprécié, cliquez sur le petit pouce juste en dessous. Merci par avance, ça me permettra un petit peu d'avoir votre feedback. Donc, si vous regardez cette vidéo depuis YouTube ou un smartphone ou une autre plateforme, il y a le « i » comme info en haut à droite de la vidéo ou encore tout est en description juste en dessous. Donc, ce cadeau de bienvenue, c'est donc une formation où j'explique donc comment réaliser un tunnel de vente dans son business. Donc, si vous voulez donc cracher des euros, donc faire la première étape pour ensuite vous enrichir, donc, indiquez votre prénom et votre adresse email. Donc, il y a le lien à l'intérieur de la vidéo YouTube. Donc, cliquez bien sur le lien et ça va vous permettre voilà, de mettre en place une séquence d'emails en automatique et faire des ventes donc régulièrement avec tous les leviers que l'être humain arrive à obtenir. Et surtout, ça vous permettra voilà, de faire gonfler les résultats de votre activité. Donc, je vous dis à tout de suite de l'autre côté pour la vidéo bonus. Donc, directement envoyée dans votre boîte mail. Donc, à tout de suite pour cette formation offerte.